L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau Club Éco d'ObjectifNews.tv. Notre invité aujourd'hui est Renaud Rénal, le PDG de Mutois. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Mutois. C'est un groupe que vous avez fondé à Muret en 2003, avec pas vraiment une actualité locale ni d'ailleurs régionale. Quelle est votre actualité ? Notre actualité, effectivement, est plutôt nationale, puisque la cible des clients à qui nous adressons est disséminée sur l'ensemble du territoire français et de l'outre-mer, puisque nous avons également des clients à La Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe. Dans le domaine de la santé prévoyance. Exactement. Notre activité se situe autour de tout ce qui concerne la protection sociale complémentaire, et en particulier la santé et la prévoyance, et la gestion de contrats, qu'ils soient individuels ou d'entreprises collectives. On a, depuis maintenant presque 8 ans, on est dans notre 8e année d'activité, développé deux activités principales. La gestion pour compte, où là on est un prestataire de services au service de mutuelles, de compagnies d'assurance ou de courtiers, qui nous confie la gestion de portefeuille et de tous les traitements back-office et front-office, relations clients qu'il y a à faire dans ce métier. Et la deuxième activité, qui est maintenant filialisée depuis le 1er janvier 2009, qui est l'activité d'éditeur de logiciels. Nous sommes concepteurs d'un logiciel qui s'appelle Mutix, qui est un logiciel cœur de métier pour la gestion des mutuelles et de leur portefeuille d'assurés. Qui sont vos clients ? Nos clients sont essentiellement des mutuelles santé, partout donc en France et dans les DOM-TOM, des compagnies d'assurance ou des courtiers dont la spécialité est la protection sociale complémentaire. Vous avez des contrats importants signés cette année ? Oui, l'actualité 2011 s'est enrichie effectivement de quelques belles signatures. Sur l'activité gestion, on a amplifié un très gros partenariat avec les mutuelles mieux-être SMBTP, dont nous sommes l'un des principaux gestionnaires aujourd'hui. Sur l'activité toujours gestion, nous sommes en train de lancer deux partenariats avec des compagnies d'assurance françaises notoirement connues comme Allianz et Swiss Life. Sur l'activité d'éditeur de logiciels, nous venons de signer deux très beaux contrats et nous équiperons dès 2012 de notre solution informatique, la mutuelle Michelin à Clermont-Ferrand, qui est la deuxième mutuelle d'entreprise française. Et tout récemment, nous avons signé la mutuelle 403 à Angoulême, qui rayonne sur tout le sud-ouest et qui compte plus de 100 000 assurés, qui seront sur nos bases informatiques au printemps 2012. Quels sont les chiffres importants de l'entreprise, chiffre d'affaires, perspectives pour 2011 et puis aussi salariés ou employés ? Alors les chiffres à fin 2010, c'est 3,5 millions de chiffre d'affaires et 40 collaborateurs sur les deux activités. Les chiffres prévisionnels 2011, c'est un chiffre d'affaires à 4,5 millions, donc avec toujours une croissance importante qui existe depuis le début de notre activité. L'année dernière, nous avons recruté 20 collaborateurs et cette année, nous avons prévu 10 embauches supplémentaires. Sur quel type de poste ? Sur soit des ingénieurs informatiques sur la partie éditeur de logiciels ou des gestionnaires de contrats sur la partie gestion pour compte. Comment vous positionnez par rapport à la concurrence ? Qui sont vos concurrents ? Alors, nos concurrents sont sur la partie informatique des éditeurs aussi de logiciels. On est ni plus ni moins aujourd'hui un challenger. On commence à être reconnu comme tel sur le marché. Et face à qui, alors ? Et alors, vous voulez des noms ? Oui. Alors, le leader du marché aujourd'hui, c'est un Toulousain, c'est CGDIM Active, sur l'activité éditeur, à qui toutes les signatures que je viens de vous annoncer, ce sont des anciens clients à eux que nous avons repris avec nos solutions. Sur l'activité gestion, les compagnies d'assurance, les courtiers ont aujourd'hui une vision un peu différente du métier. Ils se mobilisent sur la conception de produits, ils se mobilisent sur la technique et sur la commercialisation et délèguent, entre guillemets, à des sous-traitants comme nous, leur activité back-office de gestion. Donc ce ne sont pas des concurrents, ce sont plutôt des clients potentiels. Après, il existe quelques sociétés en France qui font de la gestion pour compte et qui ont une taille bien supérieure à la nôtre parce qu'ils existent depuis longtemps. Mais là aussi, des parts de marché comme Mutuelle Mieux-Être et SMBTP ont été repris à des concurrents notoirement connus. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise ? Tout simplement mon passé professionnel. Je suis dans le métier de la protection sociale depuis que j'ai quitté la fac de droit et à l'époque le service militaire. J'ai œuvré dans des compagnies d'assurance, dans des groupes mutualistes, où j'ai fait ce métier en tant que cadre à l'époque. Et en 2003, j'ai décidé de créer mon entreprise en région toulousaine pour revenir en plus sur la région, puisque j'étais un petit peu parisien à l'époque.
et en pleine connaissance de ce métier, avec 18 ans d'expérience et un certain carnet d'adresses. Merci Renaud Reynal de nous avoir fait découvrir votre entreprise Mutua, basée à Muret. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.